nom doit être vaincu. Si ce n'est le nom de en Côte d'Ivoire, le nom de c'est toi à la maison, pousse des cris de joie parce qu'il est Seigneur. Alléluia. On ne trouvera cette joie nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Il dit, je suis en joie quand on allons dans la maison du Seigneur. Et ce soir nous allons louer le Seigneur, pas comme David mais comme toi, parce que Dieu a un témoignage dans ta vie. Donc sur la base de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu vas louer le Seigneur avec le groupe musical. On y va. Alléluia. Il y a un nom, ce nom
Qui m'empêche de t'évoquer sans inquiéter.
à ton frère, pour toi qui est à la maison, qui regarde ce culte, dis à ton voisin, mais pour toi également dans cette salle, dis à ton voisin, j'aime la présence du Seigneur. J'aime la présence du Seigneur. Alléluia. En fait, c'est la seule présence dans laquelle tu es, et même quand tu n'as pas l'argent, même quand tu as des soucis, tu es serein, parce que tu sais. Dans ta bac, alors tu n'as pas à t'inquiéter au nom de... Alléluia. Après l'adoration, le temps de louange donné à l'Éternel, Dieu nous fait grâce d'écouter sa parole. L'une des phrases que j'aime prononcer, que le diable n'aime pas m'entendre dire, il est un menteur. Son prénom, c'est menteur. L'orateur du jour, à la dernière minute, par circonstances interposées, n'a pas pu être là. Mais Dieu est fidèle. Il s'est choisi son serviteur, le pasteur Kwame Félix. C'est lui qui donnera le message tout à l'heure. De là où tu es, s'il te plaît, reste disposé. Prends ta Bible, prends ton bloc-notes pour qu'ensemble Dieu nous parle et que nous notions ce qu'il nous dit. Avant de recevoir le pasteur, le groupe musical va nous conduire dans un chant de recueillement. Avant de recevoir. Jésus t'a débrouillé à la croix. Satan, 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 Jésus t'a débrouillé à la croix. Et la Bible dit,
Dieu a vaincu l'ennemi à la croix. Et le diable restera. Et il sera toujours le menteur. Et je veux dire une chose. Et Dieu sera la victoire. La victoire d'Israël. Qu'on le veuille ou pas, Dieu donnera la victoire à Israël. Je la dis. C'est dans cet âge que nous sommes dans l'âge de Laodicée. Éclaire-nous. Conduis-nous par ta main. Conduis-nous par ta main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin.
Que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus, nous disons amen. Amen. Avec des acclamations dignes de son rang, le conquérant de David, si c'est pour lui que tu apportes cette acclamation, je crois que tu peux l'accompagner avec des cris de joie. Amen. Tu peux faire mieux. Alléluia. Prenons nos billes, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde, que Dieu nous bénisse. Genèse. Je voudrais vous saluer au nom du Seigneur et bénir Dieu pour ce moment mémorable. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, le verset 24, 25, 26 et suivant. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connais ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, frères et sœurs. Vous savez tous avec moi, ce n'est pas un mythe, ni quelque chose qui est caché, que nous sommes véritablement à la fin des temps. Nous sommes dans les temps fâcheux dont parlait la Bible. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des tremblements de terre, il y aura aussi la guerre, il y aura toutes sortes d'incompréhensions. Des nations se lèveront contre d'autres nations. Il y aura des divisions dans des familles. Il y aura l'incompréhension même dans une famille biologique, une famille spirituelle. Et nous voyons toutes ces choses s'accomplir sous nos yeux. Ici, nous venons de lire l'histoire de Jacob. Jacob, petit-fils d'Abraham, le père de la foi. Donc le fils d'Isaac.
Isaac, vous le savez tous, pour ceux qui sont très familiers à la Bible, Isaac a mis au monde, ou du moins s'il a engendré des jumeaux, un certain Jacob et puis Ésaü. Mais selon l'histoire, les deux enfants ont grandi et à un certain moment, le père Isaac a bien voulu bénir le fils aîné qui était Ésaü, selon la tradition. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que quand Isaac a donné l'information de bénir le fils aîné, la mère des deux enfants était quelque part à la porte et elle a entendu cela. Elle est allée informer son fils préféré. Vous savez que cela existe aussi encore dans des familles. Des enfants de même sang, l'un des parents peut aimer un enfant plus que l'autre. La mère des deux enfants, donc de Jacob et d'Ésaü, est allée informer Jacob pour lui dire « Ton père veut bénir Ésaü. Alors je vais te donner un conseil, car il a envoyé son fils aller chasser du gibier et qu'il va préparer, il va manger, il va le bénir. Alors je te donne un conseil, prends quelque part là, un bouc, un agneau, prépare-le rapidement, donne-le à ton père. » Il va dire, et Jacob a dit à sa mère, et « Maman, tu sais, papa va m'attraper parce que tu vois, je n'ai pas l'odeur des os et je n'ai pas aussi la peau des os. » Il dit, « Non, on va fabriquer quelque chose. » Écoutez-moi très bien. Alors, ils ont mis leur stratégie en place et Jacob est allé parce que son père, Isaac, était âgé et la vue d'Isaac était affaiblie. Donc, Jacob est allé avec les peaux d'animal et il est allé auprès d'Isaac et il a dit à Isaac, « Papa, c'est moi. » Mais en fait, sa voix, c'était la voix de Jacob, mais la peau était la peau d'Ésaü. C'est un mystère. Normalement, on reconnaît un homme par sa voix. Mais le père, quand même, comme il voulait bénir à tout prix son fils, il a prononcé des paroles sur Jacob. Il a béni Jacob. Voilà l'histoire. Maintenant, le paradoxe est que Jacob est béni, mais Jacob n'avait pas la paix. Jacob était béni par son père. Jacob a été inondé de prières et de bénédictions. Mais malgré la bénédiction de son père, Jacob n'avait pas la paix quand vous lisez toute l'histoire. Voilà l'histoire aujourd'hui, comment des hommes et des femmes sont bénis, mais malheureusement, malgré la bénédiction, malgré tous ces acquis, ils n'ont pas de paix intérieure, ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de bonheur. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, frères et sœurs? C'est pourquoi le thème de notre culte aujourd'hui, c'est Peniel avant la gloire. Peniel qui veut dire la face de Dieu. Vous savez, dans la marche chrétienne, frères et sœurs, on peut s'imaginer pas mal de choses. On peut emprunter des raccourcis pour avoir toutes sortes de bénédictions, que ce soit le mariage, que ce soit le voyage, que ce soit une bénédiction financière. On peut emprunter des raccourcis comme Jacob l'a fait. On peut emprunter des raccourcis comme en vérité cet homme Jacob qui veut dire usurpateur, menteur. Jacob a emprunté des raccourcis pour avoir ce qu'il voulait avoir. C'est le cas de plusieurs aujourd'hui malheureusement. On peut avoir ce qu'on veut avoir, mais tu peux posséder ce que tu veux posséder. Le problème est ce que tu as possédé, que tu appelles bénédiction, est accompagné de paix intérieure, est accompagné de bonheur. Ce qui explique aujourd'hui que des gens sont rentrés dans ce qu'ils appellent des bénédictions, mais la Bible dit en Proverbes chapitre 10 que c'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun malheur, d'aucun chagrin. C'est pourquoi on peut forcer la main. Les gens me diront aujourd'hui, mais je suis le Seigneur depuis des années. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Mais je ne vois pas ce que le Seigneur a accompli. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je peux suivre le Seigneur et je ne vois pas le plan de Dieu s'accomplir au quotidien dans ma vie. Bien-aimé, la marche chrétienne est un combat.
Nous ne devons pas emprunter des raccourcis pour entrer dans une quelconque bénédiction, ce serait un malheur. Malheureusement, des gens sont rentrés dans un semblant de bénédiction qui en vérité est un malheur. C'est un malheur. Parce qu'en vérité, toute bénédiction qui n'est pas passée par Péniel, qui n'est pas passée par un acte de brisme, un acte où le Seigneur a forgé le caractère d'un homme, où le Seigneur a brisé, rebrisé la vie de cette personne. Il y a des gens qui sont rentrés dans des mariages, on a célébré le mariage, on a béni Dieu, on a dit Seigneur merci pour notre frère, merci pour notre soeur. Mais en vérité ce mariage va mal se terminer, ces fiançailles vont mal se terminer. Pourquoi? Parce qu'en vérité ces deux, l'un n'est pas passé par Péniel. Péniel est le passage obligatoire de tout homme qui veut véritablement entrer dans la bénédiction de l'Éternel qui n'est sauvé d'aucun malheur. Je ne sais pas dans ce que tu es. Est-ce que je suis passé par ce chemin, le chemin par lequel? C'est pourquoi la Bible dit au verset 24 de Genèse 32 que nous venons de lire, la Bible dit, malgré la bénédiction que son père avait prononcée sur lui, Jacob demeurait seul. Il était triste. Voici un homme qui est béni, un homme sur lequel on a prononcé des bénédictions, on a prononcé des prophéties, on a dit que son aîné lui sera assujetti. On aime les choses comme ça aujourd'hui, vous voyez, des prophéties. Vous comprenez ce que je veux dire? Des prophéties, 20 pour 5 francs. Tu vas être grand, tu vas régner. Tu vas posséder, tu vas te promener dans ton quartier avec un bateau. Alléluia, alléluia, prophète. On aime des choses comme ça, c'est-à-dire qui tirent un peu vers les idioties. Des choses qui n'ont ni fondement. Dieu ne bénit aucun homme d'une bénédiction qui est éternelle s'il ne l'a pas fait passer par un brisement. Il n'y a pas de bénédiction sans malheur si tu n'es pas passé par Péniel. Jacob était assis seul, frères et sœurs. Jacob demeurait seul, dit l'Écriture au verset 24. Il était là seul. Lui qui avait volé la bénédiction de son frère. Lui qui avait menti. Lui qui avait emprunté des raccourcis pour entrer dans un miracle. Tu as peut-être emprunté des raccourcis pour être dans ce mariage. Pour être dans cette entreprise. Peut-être pour être dans toutes ces faveurs. Mais est-ce que tu as la paix aujourd'hui? Toi qui as emprunté des raccourcis. Toi qui as fait toutes sortes de compromissions pour entrer là. Tu ne connaîtras pas de paix. Oh, les gens t'envient, ceux qui ne savent pas, les aveugles, les ignorants, ils t'envient. C'est la même chose aujourd'hui avec les chefs religieux, les professionnels évangéliques, les pasteurs, les chefs religieux. On veut tellement voir la notoriété et la gloire qu'on va jusqu'à mettre la main dans des interdits, dans des feux étrangers, dans des pratiques vaudous, dans des loges. Dans des sociétés secrètes, on veut paraître, on veut qu'on parle de nous. Je vais imposer les mains et je vais crier, des gens doivent tomber. On fait tout sort d'amalgame aujourd'hui dans l'église. On rentre dans la cabale juive, on ouvre les yeux, le troisième œil. Et on essaie d'imiter les dons spirituels, la parole de connaissance. On va jusqu'à dans des profondeurs. Je suis ici, tu vois. Mais je suis dans ton village. On dit, prêche, daddy, va en fonce. Va dans mon village, sorcier. Né sorcier. Tu ne peux pas être ici et puis être dans ton village. Et voyez, ceux qui ont perdu la raison spirituellement parlant, disent, oui, prêche, pasteur. Il ne peut pas être ici si tu as toutes tes facultés spirituelles. Comment il est ici et puis il est dans ton village? Il n'est pas l'esprit. C'est un mortel. Est-ce qu'il n'a pas mis sa main dans le feu étranger? Mais ceux qui sont nés pour se perdre raffolent de telles choses. Parce qu'en vérité, ils ont des dispositions intérieures pour aller en enfer. On n'est pas béni comme ça. Dieu brise et façonne l'esprit et le cœur de tous ceux qu'il veut bénir d'une bénédiction éternelle. Jacob a été béni par son père, mais malgré la bénédiction de son père, il n'avait pas la paix, il n'avait pas la joie, il n'était pas heureux. Vous savez, vous pouvez avoir certaines bénédictions, mais ces bénédictions ne vous rendront point heureux. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie.
Les gens autour de vous, peut-être, vous envient, disent, ah ben écoute, j'ai envie, tu es dans telle entreprise, tu as telle voiture. Mais lui-même, il n'est pas heureux. Parce qu'il sait dans quel esprit et dans quelles conditions il est rentré là. C'était le cas de Jacob. Voyez, Ésaü est resté à la maison. Jacob est parti sans rien. Il est parti avec la bénédiction de son père. Mais voilà, Jacob qui est assis quelque part seul et il a peur. Son frère lui a dit, je viens à ta rencontre. Tu as pris mon titre il y a quelques années, il faut qu'on se rencontre. Il a envoyé certainement un télégramme. Il dit à son frère, il faut qu'on se rencontre. Jacob avait peur, il demeurait seul. Et c'est là qu'en vérité, vous savez, à un certain moment, il a compris qu'il fallait chercher la face de Dieu. Voici quelques points que je voulais souligner avant qu'on le prie. Vous savez, avant de voir la gloire de Dieu, aujourd'hui tout le monde est à la recherche de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'à tous sont péchés et sont privés, pas de l'argent, sont pas privés du mariage, mais sont privés de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est l'essentiel. Quand Dieu vous restaure, il restaure sa gloire dans votre vie. Et vous pouvez ne pas avoir l'argent physiquement, mais il vous donnera ce qui est nécessaire à votre vie. Quand la gloire de Dieu est restaurée dans la vie d'un homme. Alléluia. Voyez, il demeura seul. Il cherchait la face de Dieu. La deuxième chose, là, vous allez voir que Jacob va lutter avec l'ange de l'Éternel. Vous savez, dans l'ancienne alliance, l'ange de l'Éternel, c'était une théophanie, c'était Dieu qui vient sous la forme d'un ange. Quand on parle d'ange, ne pensez pas à quelqu'un qui a des ailes et tout étant. Non, non, non. Les anges peuvent venir sous la forme d'un être humain avec deux pieds, avec deux mains, et comme des êtres humains. Alors, Jacob voit un homme très tôt le matin, il lutte avec cet ange. Et puis, l'ange lui dit, avant toute autre chose, l'ange lui a dit, laisse-moi aller car l'aurore arrive, le lever du soleil arrive, laisse-moi partir. Vous savez, la marche aussi, c'est le combat. Le bon combat, comme dit Saint Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Là encore, l'homme qui a été béni, voyez aujourd'hui, l'évangile pour tous, l'évangile acceptable de tous, l'évangile maçonnique qui est enseigné dans la plupart des milieux évangéliques, où on vous dit, bon ben voilà, dès que vous avez Jésus, voyez, alors vous ne pouvez plus souffrir, vous ne pouvez plus avoir tel problème, c'est fini, Jésus a tout réglé, il faut être intelligent. Voici un homme qui a été béni par le patriarche Isaac et qui lutte encore. Comprenez? Il lutte encore et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, l'ange lui a dit, laisse-moi partir. Il dit, non, je ne te laisserai pas aller. Il n'avait aucune paix, il n'avait aucune assurance. Et malgré la bénédiction de son père, malgré les paroles que son père avait prononcées sur lui, frères et sœurs, nous pouvons emprunter des raccourcis pour entrer dans certains miracles. Mais ces miracles dans lesquels nous sommes entrés ne vont jamais nous procurer la paix, ni la paix de Dieu, ni la paix intérieure, ni la sécurité. C'est pourquoi nous ferons mieux, frères et sœurs, d'attendre le temps de Dieu. Si Jacob avait attendu le temps de Dieu pour sa vie, il ne serait pas dans ses combats naturellement. Alors l'ange de l'Éternel va lui dire, il dit à l'ange de l'Éternel, bénis-moi. Mais Dieu ne bénit pas la fausseté. Vous savez, plusieurs veulent être bénis, mais ils sont dans la compromission. Ils se sont mis dans certaines choses, certaines pratiques. Et Jacob dit, ouais, ange de l'Éternel, mon Seigneur, bénis-moi. Mais ton père t'avait béni, non? C'est quelle bénédiction tu cherches? Alléluia. Tu dis, tu as été béni. Le prophète a dit ton avenir, mais tu es malheureux. Plus malheureux que le mot malheureux. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne cherchons pas de raccourcis. Je ne t'entends pas. Non, laisse ton voisin, tu ne sais pas dans quoi il est. J'ai dit, ne cherche pas des raccourcis. N'emprunte pas des raccourcis, parce qu'en vérité, avec Dieu, le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Et c'est mieux d'attendre le temps de Dieu pour sa vie et de ne pas emprunter des raccourcis. Tu arriveras peut-être très tôt, mais ce ne sera pas le plan de Dieu pour toi. Voyez, Jacob va dire à l'ange, bénis-moi. Et l'ange lui dit, quel est ton nom? Je ne peux pas te... Comment est-ce que l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, ne connaît pas le nom de celui qui lutte avec lui?
Dieu sait toutes choses. Mais il demande cependant le nom de Jacob. Il voudrait que ça sorte de sa bouche, qu'il confesse de sa propre bouche sa malice, sa ruse, son mensonge et ses compromissions. Alors Jacob dit, je m'appelle, mais Seigneur, tu connais mon nom. C'est ce que Pierre voulait faire avec Jésus. En Jean 21, Jésus dit, est-ce que Pierre, tu m'aimes? Il a renié Jésus trois fois. Lui-même est sorti du plan de Dieu et il est sorti du nombre des disciples. Et quand l'ange a parlé aux femmes, l'ange a dit aux femmes, allez dire à ses disciples et à Pierre. En vérité, par ta propre bouche, tu peux t'éloigner du plan de Dieu. Alors Jésus reprend Pierre et lui dit, de la même manière que tu as confessé trois fois que tu ne me connais pas, tu vas confesser encore trois fois que tu me connais, que tu m'aimes. Pour que tu sois intégré, par ta bouche tu seras condamné, par ta bouche tu seras justifié. Donc l'ange de l'Éternel qui est Dieu, il demande à Jacob, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Jacob qui veut dire usurpateur, qui veut dire menteur, qui veut dire trompeur, qui veut dire celui qui est pressé. En même temps, mieux, pasteur, mon mariage a trop duré. Tu vas perdre ton âme. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Homme de Dieu, j'ai donné des offrandes au Seigneur, j'ai apporté ma dîme pendant toute ma vie. Tais-toi. Il faut que tu passes à Péniel. Je ne t'ai pas entendu. J'ai dit, il faut que tu passes à Péniel. Il faut que tu passes là où tu vas être brisé, façonné. Vous savez, Dieu a un projet dans notre vie. Il ne fait que forger notre caractère et notre vie intérieure. Jacob, sa malice, son mensonge, tout ce qu'il a fait, il a confessé. Et c'est quand il a confessé ces choses que l'ange de l'Éternel a béni Jacob. Et il dit à Jacob, à compter de cet instant, ton histoire va changer. Que ce soit ta portion. Ton histoire va changer. Il avait été béni par son père. Son histoire n'a pas changé. La bénédiction de son père sur lui, il est allé chez son oncle. On l'a doublé plusieurs fois. Il a travaillé 7 ans pour une femme. Voyez, la malice que tu emploies va se retourner contre toi. Il se croit rusé. Et c'est la même attitude que plusieurs ont aujourd'hui dans l'église. Il se croit rusé, malin. Il emprunte des raccourcis, met sa main dans l'interdit. Il est dans la cabale juive. Mais ça va se retourner contre toi et ta famille. Tu crois que tu as percé. Mais en vérité, tu n'as pas percé. Tu t'es cogné. Alors, l'ange lui dit, ton nom sera désormais plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Quand en vérité, tu as lutté avec les hommes, tu as triomphé. Et même tu as lutté avec Dieu, tu as eu la victoire. C'est pourquoi Israël veut dire victoire, vainqueur. Voilà comment l'histoire de Jacob a changé. Mais aussi longtemps que Jacob demeurait seul quelque part, voyez, c'est pourquoi lui-même Jacob va appeler ce lieu Péniel. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu. Vous savez, vous pouvez aller à l'église, les gens vous disent souvent, j'ai entendu des gens dire, et parmi les protestants évangéliques, des gens disent, pasteur, tu vois, gloire à Dieu de ce que je suis né à l'église. C'est honteux d'entendre ça. Et un barbu dit, il est né à l'église. On dirait qu'il y a une maternité dans leur église. On n'est pas à l'église. On est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les anciennes choses sont et toutes choses sont de. On n'est pas à l'église. C'est pourquoi, voyez, les plus grands délinquants, certains sont nés à l'église. Dis-leur, paix des voleurs, sont nés à l'église. Mais le problème est que ça ne change pas ta vie. Le fait que tes parents soient chrétiens et que toi tu sois né d'une famille chrétienne ne garantit pas et ne sécurise pas ton éternité. Jacob a été béni par son papa. Il va chez son oncle Laban. Laban, pour une femme, il est allé et son oncle lui a dit, tu vas travailler 7 ans, tu donnes, tu comprends Jacob, tu es mon bon petit. Ouais, c'est une famille de...
des doubleurs. Il a doublé son frère, il va chez son oncle, là-bas lui-même on le roule dans la farine. Il travaille pour 7 ans, le jour il attendait, « Oh Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, mon père, alléluia !» Ma femme est arrivée, il ouvre, et toi c'est qui ? C'est pas la femme qu'il voulait. Son propre oncle lui dit, « Bon ben petit, ce qu'on va faire, ne te fâche pas, tu vas travailler encore 7 ans. » La malice va se retourner contre toi. Certains sont rentrés dans certaines bénédictions, ils disent qu'ils sont en sécurité. Non. Et c'est pourquoi sa vie n'avance pas. Regardez, ce monsieur a été béni par son père. Il est allé d'épreuve d'humiliation en humiliation. Jusqu'à ce qu'il s'arrête seul, il a cherché la face de Dieu. Et quand Dieu l'a rencontré, vous savez, tant que tu n'as pas rencontré Dieu, il peut y avoir des semblants de connexion. On peut prier pour toi. Un bishop, un archevêque, un demi-dieu, patriarche, il peut prier pour toi, c'est zéro. Il faut une connexion personnelle. Est-ce que tu l'as rencontré? Personne. On peut imiter des langues. Oh, je connais des gens qui parlent la langue. Mais c'est des impies, fils d'impies. Ils n'ont jamais connu Christ. Leur cœur n'est pas circoncis. Ils peuvent imaginer tout et façonner et puis faire tout ce qu'on appelle ceux qui ont fait la réforme de leur vie. En vérité, ils n'ont pas connu Christ véritablement. Et regarde, si tu n'as pas connu Christ, malgré les bénédictions qu'on a déposées sur ta vie, tu seras misérable. Non seulement ton âme est perdue, mais tu ne connaîtras pas la paix de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je lance l'appel à tous ceux qui nous suivent et vous qui êtes là. Peu importe le nombre d'années que tu as fait dans l'église, peu importe le nombre de votre dénomination, ça ne t'apportera rien. Voilà un homme du nom de Jacob qui a été béni par un patriarche. Mais cela n'a pas enlevé et ôté les ennuis jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu lui-même face à face. C'est pourquoi il a baptisé ce lieu du nom de Péniel. J'ai vu Dieu et mon âme a été sauvée. Vous savez, dans la marche, tant que tu n'as pas rencontré le Seigneur de façon solennelle, de façon unique, ton âme ne sera pas sauvée. Et ton histoire ne changera pas. Quand aujourd'hui quelqu'un dit, changement, Jésus a changé mon histoire. En vérité, quand il a changé ton histoire, c'est que tu t'es connecté avec lui. Jacob a été transformé. Jacob a été réellement transformé. Lui qui courait ça et là, quand l'ange de l'Éternel, Dieu l'a rencontré et l'a sauvé et l'a régénéré, il a dit certainement que mon âme est sauvée. J'ai rencontré Dieu, c'est vrai, j'avais été béni par mon père. J'ai été partout, j'ai eu la fortune. J'ai plusieurs femmes, j'ai un grand bétail, mais je n'ai pas la paix. C'est la triste histoire de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils ont eu des bénédictions, on ne sait pas trop, ne me demandez pas comment ils ont eu cette fortune. Ils sont nantis, ils sont enviés des chrétiens les plus immatures. Parce qu'en vérité, quand il envie quelqu'un, il faut chercher à savoir comment et où il est rentré, où il a mis sa main pour avoir ce qu'il a, avant de l'envier. Frères et sœurs, aujourd'hui même, tant que nous n'avons pas une rencontre personnelle avec notre Seigneur, nous ne connaîtrons pas le vrai bonheur. Nous ne connaîtrons pas ce qu'on appelle la paix de Dieu, le salut et la prospérité vraie. Vous savez, on parle de prospérité sans connaître celui qui rend prospère. La Bible dit, pour terminer, que c'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. En Proverbes chapitre 10, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun malheur. Alors aujourd'hui, tu dis, mais je ne parle pas des épreuves. Les épreuves arrivent dans la vie de tout croyant. C'est la trajectoire véritable de tout élu de Dieu. Mais je parle de malheur et de malédiction et des successions de malheur dans la vie d'un croyant. Comment tu te maries et il y a des tragédies? Comment tu te maries et puis il y a toutes sortes de choses? Comment tu es rentré dans cette bénédiction que tu appelles bénédiction financière et puis tu ne connais pas la paix intérieure? Pose-toi la question. Comment même tu es rentré dans ce foyer aujourd'hui qui tangue? Comment? Parce que les gens voient aujourd'hui que ça tend, mais les gens ne savent pas comment vous avez fondé ce foyer. Comment vous avez créé cette entreprise. Comment tu as fait tout pour avoir ce visa et pour avoir cette fortune. Personne ne sait.
Or, le fondement est faux. Quand le fondement est faux, le fruit sera faux. Dieu ne rejette personne. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est que nous nous approchons de lui. Il dit, approche-toi de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Aujourd'hui même, Dieu peut changer ton histoire. Péniel, c'est aujourd'hui. Il fait passer tout homme véritable à Péniel. Et quand tu traverses Péniel, la paix que tu es brisé, tu es façonné. Dieu t'a forgé un caractère. Tu ne vas plus te glorifier comme un imbu, un orgueilleux, un hautain. Quand même l'homme veut te célébrer de façon fausse, tu diras, je suis ce que je suis par la force de l'Éternel. En vérité, je ne suis rien. Quand vous voyez quelqu'un qui est imbu de lui, qui croit être le cerveau le plus intelligent des hommes, c'est le pire des hommes. Il n'a jamais connu Péniel. Vous savez, quand vous passez par Péniel, vous êtes humble. Vous êtes brisé, vous êtes façonné. Dans tout ce que vous faites, vous êtes humble. Que Dieu nous aide. On va se lever. De Péniel à la gloire. Jacob est passé à Péniel. Tous ces hommes que vous connaissez dans la Bible qui ont connu une bénédiction vraie, je ne parle pas de la bénédiction humaine, je ne parle pas des semblants de bénédiction, je ne parle pas des bénédictions factices, je parle de la bénédiction qui n'est suivie d'aucun malheur, d'aucun chagrin, la bénédiction qui est éternelle, qui fait de toi une source de bénédiction. On passe toujours par Péniel. Vous observerez que quand les deux disciples d'Emmaüs avaient suivi Jésus, ils étaient à table avec Jésus. Je voudrais terminer par cette histoire. On peut être à table avec Jésus, mais sans être béni. Ils étaient tous à table avec Jésus. C'est quand Jésus a pris le pain, qu'il a brisé le pain, que les yeux de ses deux disciples ont été ouverts et ils ont reconnu Jésus. Et pourtant, ils étaient à table. Vous savez, tout ce que le Seigneur bénit doit passer par le brisement. Il n'y a pas de bénédiction véritable sans Péniel. Si on peut chanter cette histoire, ce chant, c'est possible? Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. A changé l'histoire de Jacob est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux dire à quelqu'un qui nous suit, tu es troublé, complètement désemparé. Et j'ai eu beaucoup de peine dans le cœur ce soir, aujourd'hui même. Mais je voudrais te dire que Jésus est la solution. Ce que tu es en train de traverser, des problèmes dans ton foyer, des problèmes dans les finances, des problèmes de santé, Jésus est la solution. Toi seul, tous ces problèmes se sont abattus sur toi. Et tu es désemparé, tu nous suis aujourd'hui. Mais je voudrais te dire qu'il y a de l'espoir. Le Christ ne te laissera pas dans cette situation. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Nous te disons merci,
qu'en vérité, tu as changé l'histoire de Jacob. Menteur, trompeur, rusé, mais tu l'as rencontré quand même. Et quand tu l'as rencontré, son histoire a changé. Il est passé de Péniel à la gloire. Il est devenu aujourd'hui vainqueur des nations. Garde nos cœurs en toi. Bénis ton Saint-Nom. Merci de te souvenir d'Israël et de Jérusalem. Au nom de Jésus. Amen. Jésus a changé mon histoire. Il a changé, changé mon histoire. Jésus a changé, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé, il a essuyé les larmes. Jésus a changé mon histoire. Bénissons ensemble le Seigneur en poussant des cris de joie, en acclamant le Seigneur pour cette parole. De Péniel à la gloire, à l'exemple de Jacob, nous croyons que le Seigneur change notre histoire et nous fait du bien. En tout cas, moi, cette parole m'a fait énormément de bien. J'ai été édifié et je savais que j'allais être édifié parce qu'on ne peut pas suivre les programmes de LMTV sans être édifié. Parce que LMTV, c'est la lumière du monde. Après cette parole, voici le temps que le Seigneur nous donne pour apporter le temps des offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je voudrais, bien aimé dans la foi, m'apesantir en quelques minutes. Cette chaîne qui fait du bien au corps de Christ et qui n'appartient à aucune dénomination n'est soutenue ni de près ni de loin parce que nous n'avons aucun sponsor. Le seul sponsor de la télé, c'est Jésus-Christ de Nazareth au travers de vous. J'ai pour habitude de dire que Dieu ne descend pas du ciel pour faire des miracles sur la terre parmi les hommes. Il passe par les hommes pour faire les miracles. Et Dieu, par ton canal, peut soutenir cette chaîne. Nous avons été longtemps combattus. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire. Mais le parcours de LMTV est un parcours de combat. Et avec la grâce de Dieu, nous avons toujours la victoire. Je voudrais donc, pour toi qui regardes LMTV, plusieurs émissions, le culte, Point d'accord, gloire à Dieu, toutes ces émissions qui vous font du bien. L'évangile est gratuit, mais pour tout ce que vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Le micro, la lumière, la régie, la retransmission, c'est assez d'argent. Nous n'avons aucun sponsor. Laissons parler nos cœurs et soutenons l'œuvre de Dieu pour que l'évangile vrai, comme ce que vous venez d'entendre, qui ne vous donne pas que de l'espoir, mais qui vous parle pour le salut de votre âme, vous soit prêché chaque samedi, pour que les vendredis également, vous regardez Point d'accord, pour vous faire du bien. Les mercredis, gloire à Dieu, pour vous faire du bien. Toutes les émissions que vous connaissez, pour vous faire du bien. Nous avons besoin de votre soutien. Ne restez pas indifférents. Vous avez les numéros qui vont s'afficher tout à l'heure, juste au bas de l'écran. Vous pouvez faire maintenant et apporter votre soutien. À défaut, vous pouvez le faire en semaine. Sachez une chose, le Dieu créateur du ciel et de la terre, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, ne nous abandonnera pas et ne vous abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse. Alors que le groupe musical nous donne un cantique, apportez librement et sans contrainte pour l'œuvre de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce de pouvoir être dans sa présence. C'est un bonheur, c'est un privilège. Pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. C'est un bonheur, c'est un privilège que d'être dans la présence de Dieu. Nous avons été vraiment édifiés. Chaque instant était un temps de rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Au titre des annonces que je voudrais partager avec vous, je voudrais donc rappeler que la période de fundraising, d'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision débute maintenant. Et donc vous verrez cette semaine les différents appels qui vous seront apportés pour soutenir l'œuvre de Dieu et permettre à l'évangile de Christ sans compromission d'avancer ici en Afrique et partout dans le monde entier. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu le samedi prochain encore pour un autre culte. Je tiens donc à rappeler pour tous nos frères, pour tous nos sœurs qui veulent faire le culte en présentiel, point n'est besoin de vous embrouiller. Il faut simplement contacter Lumière du Monde Télévision aux différents numéros que vous connaissez et nous serons très honorés de partager le culte avec vous en présentiel. Voici donc les annonces que je voudrais partager avec vous et vous dire que nous vous aimons très fort au nom de Jésus. Alors dis à ton voisin Péniel et la gloire. Péniel et la gloire. Terminons ce culte en prière parce que nous avons commencé par la prière. Merci de nous lever alors que nous terminons le culte en prière. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te bénissons. Nous te célébrons parce que tu as été avec nous depuis le commencement jusqu'à la fin. Merci pour ce message. Qu'il reste gravé dans nos cœurs et laisse-nous comprendre, Seigneur, qu'avant la gloire, Péniel arrive. Seigneur, que ta grâce et ta faveur restent avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.